Good morning, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat Avram Chayin, Orber, Ben Fortune, Mazal, Yedit Abat Esther, Chaya, Abat Tova, Yamachamim, Ben Rosa, si vous souhaitez aussi que une prochaine étude de Michel, qu'on fait 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Bechorot, Perek, Zain, Mishnah Aleph, Momin El, ou Ben Kevurin, Ben Ovrin, Poslin, Ba'adam, Yoter, Alehen, Ba'adam, Hakilon, Ve'alaftan, Ve'amakavan, Ve'shorosho, Shakua, ושקיפס ובעלי החטוטרת רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלים. Dans le Perek Vav, on a appris toutes sortes de défauts physiques, des anomalies, des asymétries qui invalident un korban pour monter sur le Mizbeach, parce que le Torah a insisté, elle nous a dit Tamim, Nekeva Tmima, Zachar Tamim. Tamim, c'est qu'il soit entier, qu'il soit parfait, qu'il n'y ait pas de membres manquants, de membres asymétriques. Ça, c'était pour les défauts qui concernent les animaux. Il faut savoir que la Torah aussi, elle a précisé que les Kohanim qui servent au Beth Amigdash n'ont pas de défauts. Ça se trouve, dans Parashat Emor, on n'a qu'à lire vite fait des psukim, quoi. Il y a dans Perek Chaf Alef, il y a ici, voilà, je suis tombé dessus. Vaydaber Hashem, El Moshe, les morts, Daber El Aaron, les morts, Ish Mizaracha, les Dorota, Machari Yebomum, un de tes enfants, de ta progéniture. Pour les futures générations, qui aura un défaut, Loïc Rav l'acrive le Chem Elohav. Il ne pourra pas s'approcher au Mizbeach pour faire un korban. Il pourra manger le korban tout le soir, il partagera avec tout le monde, mais il ne pourra pas lui-même offrir un korban. Qui chol ish asher bomum, Loïc Rav, car toute personne qui a un défaut ne pourra pas venir faire le Mélavoda. Qu'il s'agisse d'un ish hiver, qu'il soit un homme qui a un hiver, un aveugle, Piseach, Ocharum, Osarua, toutes sortes de choses, qu'il a des membres manquants, il a eu manqué une jambe, un bras, ou bien encore chez Shlochever Agel, Shever Yad, un bras cassé, un pied cassé, ou bien même au Giben, au Dak, au Tvalul, Beheno, ça concerne maintenant Giben, je crois que c'est, ouais, Giben c'est celui qui a des trop gros, là, la Torah nous précise, celui qui a des très gros, des très gros sourcils, ou encore qui est trop fin, ou encore qu'il est, bon là, il a des défauts dans les yeux, comme ce qu'on a un peu appris dans le Perek Vav. Alors la Mishnah commence en me disant, sache que tous les défauts que je t'ai évoqués maintenant dans le Perek Vav, ben Moumin Elou, ces défauts-là, Ben Kvoin, Ben Ovrim, qu'il s'agisse de Moum fixes, constants, ou bien de Moum qui sont provisoires, que d'ici peu ils vont partir, pour le moment, Poslin Ba'adam, ils invalident l'homme que le Kohen ne peut pas travailler, ne peut pas faire sa avoda au Beth Amigdash tant qu'il a ses défauts, même si c'est passager. Pour le moment, il ne peut pas. Il reste en stand-by. Et si ensuite il guérit, ben, il pourra revenir au Beth Amigdash pour le Korban, d'accord? Et ça invalide la avoda. C'est-à-dire, s'il a servi alors qu'il avait un défaut, et ben, la avoda n'est pas bonne, il faudra apporter un nouveau Korban. Maintenant, ça c'est tous les défauts qu'on a évoqués dans le Mishnah Vav. Tout ce que ouais, si vous refaites dans le Perek Vav, vous refaites Khazara de Perek Vav, vous allez apprendre là-bas toutes sortes de choses pour les oreilles, les yeux, le nez, les dents, les pattes. Eh bien, tout ça, c'est aussi en vigueur pour les hommes. Mais il y a mieux encore, il y a encore plus. Yoter alehen ba'adam. L'homme, il a encore plus de défauts qui vont l'invalider, qui sont Hakilon ve'alaftan ve'amakavan ve'shorosho shakua ushkifas. La Mishnah évoque 5 cas de figure, c'est de nos jours avec les appareils, avec les appareils photo même. On fait vous prenez une photo, vous faites les têtes de moustique. Il va avoir un grand front, il va avoir un grand. Et bien c'est exactement ça, c'est Aquilon. C'est Aquilon. Le Barthénois, il nous dit, c'est qu'il a, cette fois-ci, c'est qu'il a la tête qui est fine en bas, en haut, mais qu'il a la tête en triangle, d'accord? Et Véa Laftan, alors là, le Laftan, c'est qu'il a une tête qui ressemble à du Lefet. Comment on dit le Lefet? C'est pas le navet. C'est vrai que ça se traduit par le navet, mais c'est plus. Je connais pas les noms des légumes, ça va pas. Une sorte de courge comme ça, où c'est un peu large en haut et ça sera fini en bas. D'accord? Chez Rochodomé, elle est Lefet. Chez Rechava, elle est large en haut et donc elle a la tête de moustique, la vraie tête de moustique. C'est large en haut et ça se finit en bas. Veha Laftan. Ça, c'était le Laftan. Donc on a fait Kilon et Laftan. Amakavan, c'est que, je sais pas c'est quoi, c'est cette tête qui ressemble à une maquevette, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, le Barthénois nous explique, c'est qu'il a son front qui lui dépasse comme ça, et ou encore sa nuque derrière, il a une tête d'alien, d'accord?
pas d'alien et de truc. D'accord, il a l'arrière qui le sort. Ou encore, le Shirosho Shakua. Alors là, le bartender, il a une autre guerre, c'est qu'il a dit Shirosho Shakut. Il y a soit Shakut, soit Shakua, à la différence de Shkifas, en fait. Parce que Shkifas, d'abord, c'est simple. C'est celui qui a la tête qui rentre complètement dans... Et on dirait comme s'il n'a pas de cou, il lui manque le cou. Shkifas, c'est Shakul Pisa. Il lui manque la pisa, il lui manque le... on ne voit pas son cou. Il a sa tête qui lui rentre complètement. Et alors, le Rosho Shakut, selon ça, c'est quoi? Soit qu'il a, il a un très long cou, ou plutôt qu'il a la tête qui lui sort complètement devant. Tout ça, c'est des défauts qui invalident les Kohanim. Et la Mishnah continue en me disant « Ubaale Chatot, Achatoteret » et le bossu dans l'histoire. Chatoteret, c'est le bossu. Comme le chameau, il a la bosse, ça s'appelle Chatoteret aussi. Donc, Ubaale Chatoteret, un homme qui a un Kohen qui a une bosse. Rabbi Yehuda Marchir, Vachachamim Posim. Rabbi Yehuda valide, qui c'est pas un défaut, c'est pas un défaut physique invalide. Et tandis que Chachamim invalide. Maintenant, précision du Bar Tenora. C'est qu'il faut, il y a deux sortes de bossus. Il y a celui qui a une poche de gras ou de peau, de chair, je ne sais pas exactement ce qui va se mettre. En tout cas, ce n'est pas de l'os. C'est juste une bosse de chair. Là, c'est sur ça qu'il y a une marloquette. Tandis que s'il a les os, la colonne vertébrale, il a un os en plus, ou un os qui est complètement mal formé qui, à cause de ça, sa bosse, lui. Donc, il est bossu à cause d'une bosse d'un os. Alors, dans ce cas-là, il sera invalidé selon tous les avis, même d'après Tanakama, et même d'après Khamim. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Slacha Koltou. Vous savez là.